Je reprends les jours après, enfin les jours, les vlogs après quelques jours de pause. Il est tard, je suis fatiguée. Donc on est vendredi 9, 10, je sais plus. Bref, on est vendredi, de toute façon je vous aurais mis la date en début de vlog. Donc il est 1h du matin, je vais nourrir les chiens, sortir un énorme papillon. Pour la fois, je dois capturer un papillon qui est aussi gros qu'un frelon. Bouffe dehors, sinon il va nous empêcher de dormir. Donc, comme vous avez pu voir juste avant, on est allé à l'Armada d'Oran. Donc, on est allé en moto. Et même en moto, ça a été galère pour pouvoir circuler. Parce qu'il y a une rue qu'ils ont mis quasiment piéton, 100% piétonne. Alors, c'est très bien, quand t'es piéton, t'es content pour aller à l'Armada. Le problème, c'est que Oran est déjà un espèce d'énorme rond-point en soi. Et là, en fait, on n'avait même pas à atteindre. Partout où on voulait passer, il y avait des barrages avec bah, la police pour nous empêcher de passer. On n'arrivait pas à trouver. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, déjà, on a failli monter sur l'autoroute. Mon chien n'est pas équipé avec une moto qui est sur l'autoroute. Et bref, on a réussi à se poser quand même. Et faire tout le tour. Et puis, on a pu manger, voir des bateaux, etc. C'est un peu le but. Donc, on a pris une petite glace au nougat chez la maison Milo, qui est très bien. On voit souvent sur les foires, etc. La frange, c'est des merdes avec le casque, tiens. Bon, d'ailleurs, comme d'habitude, je sais pas si je vais la laisser ou si je vais la couper. Je ne sais pas. Et bref, donc c'était un bon moment. De la foule, à un moment donné, beaucoup de foule à un endroit. Parce qu'il y a tous les marins qui étaient sortis. Alors, tout le monde voulait faire des photos, etc. Ils ont mis leur parure, leur tenue d'apparat. Donc, c'était très joli. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de manque de, qui s'accumulait dans les petites meufs qui veulent choper du pompon, hein, comme on dit. Et donc, après, on a mangé. Je suis trop contente. On a mangé tacos. Mais un vrai tacos. Donc en gros, sur les juste devant les Docks 76, il y avait quelques stands. Et en fait, il y avait un stand de sûrement tenu par des Mexicains, je pense. En tout cas, ils étaient typés Amérique du Sud. Et qui faisaient des tacos, des vrais tacos mexicains, tu vois. Donc ça, ça faisait vraiment plaisir. Donc j'ai pu manger un vrai tacos. Depuis le temps que j'en voyais dans les vlogs des Van Lifer. Donc ça, c'était cool. Bref, donc là on est rentré, j'ai donné à manger au loup, je suis crevée d'ailleurs cet après-midi, je ne sais même pas si on allait y aller. Parce que j'ai fait une sieste, mais sauf quand je me suis réveillée, il faisait super chaud dans la pièce, parce que j'allais me dormir là-haut pour pas dormir dans mon canapé, parce que sinon après j'ai très mal partout. Donc quand je me suis réveillée, il faisait très chaud, et j'ai eu une espèce de coup de chaleur. Donc j'ai du mal à reprendre, j'avais mal à la tête, déjà j'ai mal à la gorge aussi, alors je ne sais pas si c'est à cause de ça ou à cause du ventilateur au boulot. Bref, en tout cas, pareil, ce matin, j'étais exténuée, aucune motivation. Ça y est, les températures commencent à monter. Et c'est pas qu'il fait super chaud, mais c'est qu'il fait très lourd. Et quand il fait lourd, je suis une vraie loque. C'est une catastrophe, je n'ai envie de rien. Mais bref, en tout cas, on a fait l'Armada. Je pense qu'on va peut-être y retourner une deuxième fois, je sais pas, faut voir. Mais ça fait bien plaisir. On va pour le petit vlog du jour. Et puis, on va essayer d'aller dormir. Pour l'instant, on est rentré, il faisait 28. Donc, je sais pas où on va dormir, et à quelle heure. En tout cas, c'est en train de tomber parce qu'il est monté avant suite, mais on essaie de faire de l'aération. Mais cette maison pour les courants d'air, c'est compliqué. Bref, voilà pour ce petit vlog avec l'Armada. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à demain pour un prochain vlog. Bisous.